What do you want, Marston? My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage falling the sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature, desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know, it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east. Only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? Yeah. See, I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure. Civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers, or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. Les amis, on va en finir avec Dutch Vanderlyn dans cette partie. Enfin, une bonne fois pour toutes. Et ben, bienvenue dans cette partie, les amis. Très content de vous retrouver. C'est parti. Tranquille. Cette fois, pas de quartier avec les hommes de Dutch. Allez, on y va. Ça va chauffer. Je sens qu'on va crier des Indiens. On est chaud là. On va en finir avec cette bande. Enfin, plutôt la bande de l'époque de John Maston. Ah ouais, carrément, ils ont ramené l'armée, quoi. Ah ouais, là, c'est du sérieux total, là. Ils ont carrément ramené l'armée, quoi. Ah ouais, ils veulent démonter Dutch Vanderlyn, quoi. Les agents, là. Ça, c'est clair et net.
Ah ouais. Je sens qu'on va rigoler. Alors comme je vous ai dit lors de la toute dernière partie, les amis, c'est les deux dernières missions qu'on va faire, les missions principales avec Dutch Van Der Linde. En tout cas avec les agents. Are you ready to finish this, Mr. Marston? I guess so. Ok, là il se prépare. Je crois que ça va venir. Tout droit. Hold your fire until I give the word. Pour l'instant, tout est calme. Target's on the horizon. Fire at will. Ah ouais, ça spawn. I ain't playing here. Ouh, j'adore. Pas mal la petite mitrailleuse là. How many bastards are there? Venez, venez. Ouh. Ah ouais, ok. Ils sont partout là. Je pense que Dutch Van Der Linde a ramené toute sa clique. Allez. They're retreating. Cease fire and mount up. We're going after them. Venez. Ils attendent. Come on. Mais mange-toi. Christ, okay. This thing's a lot bumpier off the road. C'est gonna be a mess if we have to follow them into the woods. C'est où l'armée là? Ok, parfait. Suis. I'm trying my best, sir. Look out behind those rocks! Keep them back! Ah ouais, ok, ils sont derrière les rochers. Ok, ah ouais, ok, ça jette de la dynamite. Keep going! Là, je suis pas visé. Mais... Ça, c'est la voiture, John. Elle est en enfer. Non, mais sérieux, quoi. Dutch, il a ramené combien d'hommes comme ça? Allez, manger! Crevez! Alors bien sûr, les amis, je vais vous faire montrer 2 secondes. J'en profite. Alors bien sûr, là, on est là. Comme vous pouvez le voir, hein, juste à côté de Blackwater. Et le camp de Dutch se trouve juste ici, à Cochineille. Ouais, c'est ça, Cochineille. Juste ici. Derrière les montagnes là qu'on a grimpé lors de la partie 12. Et du coup on doit aller jusque là-bas. Ouh. Attention. Wow. Ah ouais. L'enfoiré Dutch. Et la vérité libérera. On a failli mourir là. Taros qui est blessé. Va se venger. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no?
Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. Là, on voit que Ross ne rigole pas. Mr. Ross. Il veut vraiment terminer avec Dutch Vanderlyn parce que bah forcément Ross, comme je vous ai dit, il veut se venger de son collègue de l'époque, Milton. Donc forcément, c'est sûr qu'il veut en finir. Allez, on va suivre l'armée. On va aller jusqu'au camp. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de les suivre. On va aller directement au camp, mais bon, on va suivre l'armée, hein, bien sûr. Proprement. Governor Johns is going to be very pleased. Nate Johns? What's he got to do with any of this? Let's just say vested interest in cleaning the filth out of this region. I don't think our old friend Dutch realizes what a great favor he has done us. Citing all putain, je reviens pas les amis, on va abattre Dutch like Vanderlyn. Notre chef, le père adoptif de John Maston. Et de Arthur Morgan. How could you ever follow a man like that? C'est fou quand même. C'est fou. Vanderlyn is a psychopath, a murderer and a rapist. Ross don't seem too different. Dutch was a good man once, a far better man than you. So what made him this way? I don't know. Maintenant que Dutch n'a plus de d'homme pratiquement, il est devenu faible. Cette fois, c'est terminé pour lui. No, it's you who thought you were clever. You thought you could just walk away from your old life. Make no mistake, we have been watching. Don't speak to me. You're really an ungrateful slut, Marston. All we need now is Father Christmas. Instead of punishing you for your crimes, we are... Quand même, je suis étonné qu'on n'a pas assez d'hommes. Alors peut-être qu'ils vont venir après, les amis. Mais là, pour l'instant, on a pas beaucoup d'hommes. Parce que forcément Dutch il sera protégé, c'est clair, par ses meilleurs hommes. Vivement que je vous colle une balle dans le crâne. Fais pas ça John, parce que là c'est toi qui vas avoir l'armée. Hein. We sent you to Fort Mercer with the simple task of killing Bill Williamson. Next thing you know, you're running all over Mexico like a headless chicken. And now it's Dutch. Comme un poulet. T'as le collègue de Ross qui dit ouais, on vous a dit de tuer Bill dans le Fort Mercer et puis en fait vous courez n'importe où au Mexique quoi. Quel enfoiré. This old gang of yours just won't die easily, will it? I wonder how many deaths you are all responsible for. How much money you took from pockets of hard-working citizens? We did more for the people with the money we took than the damn government ever did. Good God! The squad philosophy yours again. If you wish to argue the finer points of ethics, I suggest you learn to read first. And I suggest you learn how to shoot people in the front, not the back. Go! Bon, on voit que Ross et John Maston s'aiment pas, hein, bah forcément. John qui se méfie de l'agence quoi entre guillemets hein. Et t'as Ross qui se méfie parce que John Maston c'est un ancien hors-la-loi, ou plutôt il reste un hors-la-loi. Donc c'est chaud quoi entre les deux. Allez, on est presque. C'est juste derrière. On doit juste monter les petites collines. Le petit pont. Il est chaud là, John.
Allez, c'est juste derrière. C'est là qu'il y a la porte principale du camp. Tranquille, tranquille, on les suit. Jusqu'au bout. Et là, l'armée va faire péter la porte. Et là, on va attaquer. So you're the one who's gonna kill him? Dutch? Yep, juste ici, les amis. Like it, alors, normalement, si on continue tout droit comme ça, là. Normalement, il y a une route pour aller vers Strandberry, mais on peut pas. Il n'est pas disponible dans le premier. C'est ça qui est marrant. Allez. On est chaud là. C'est la fin pour Dutch Van Der Linde. Il est jeune lui. Forward, move in. Allez. It's time to kill these motherless bastards. Bon, je vous préviens, je vous ramasse pas. Hein. Si vous êtes blessé tout, je vous ramasse pas. Hein. Who's covering me? Hey, this way. Keep pushing. Allez, courez, courez comme des lapins. Ouh, bien joué, Ross. Allez, sors. Sors de ton trou, toi. Mais ça, il veut pas mourir, lui. Là il est mort, là il est par terre. Ouh là là, ça crie là. Faire attention. On va passer l'autre côté. Ok. Ah ouais, ok, lui il s'est pris de ses balles, il est même pas mort le truc. Utilisez la mitrailleuse pour éliminer la bande de Dutch. Attention, ça a pété là. Ça va exploser. Là. Voilà là. Il est en train de prendre cher là. Je comprends pas pourquoi ils ont pas pris la mitrailleuse avant là. Je n'ai pas compris là. Ils auraient pu nous flinguer là. Rejoignez le capitaine près de la porte. C'est juste derrière. You and I will provide the cover fire. All right, man. Blow that gate open. Keep them covered now, Marston. Ah ouais, ok, ouais. Protégez les soldats qui posent la dynamite. Ah, t'as de la chance, toi.
Allez! Ah ouais, toi, t'es comme ça. Attention, ça va exploser. You tend to your wounded. I gotta face Dutch alone. Dutch seul. Ah là là, face à face les amis, ça y est. Ah là là. Ah là là. You should have stayed at home. Le grand Dutch. Ah ouais. I suggest you follow me. Couche-toi, couche-toi. Tu es les gardes de Dutch. Ok, je dois tirer sur les sur les machins. Et ouais, Dutch. Reviens ici. J'en reviens pas, j'ai en train de pourchasser le grand Dutch là. Attention. It's over, John. I ain't leaving here without you. Ah ouais, comme ça. Va s'enfuir. Tu oses tuer. Enfin, attention, il est obligé, hein. Forcément. Dutch est obligé de tirer sur son fils adoptif. Vu qu'il travaille avec le gouvernement, tout ça. Ça doit être sa chambre. Alors attendez les amis. De toute façon, ne vous inquiétez pas. J'ai en train de remarquer que justement, juste ici, il doit avoir un petit coffre. A mon avis, ça doit être, comme j'ai dit, la chambre de Dutch. C'est sûr que c'est tout lui, tout ça. Les meubles, tout. Ça va, tu ranges bien, Dutch. Allez, allez. Et il court vite, hein, l'animal, pour un vieux. Ouh. Exactement, John Maston. Ça va changer quelque chose en te tuant, en sauvant Abigail et Jack. C'est fini pour lui. John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. Justement, j'allais dire, t'as toujours un plan, Dutch. This is a good one. Il a failli celui-là. I don't doubt it. Ça me dit quelque chose, cette phrase. Il avait dit à l'époque quand ils ont sauté avec Arthur, enfin quand il a sauté avec Arthur Morgan, là, qu'ils ont failli mourir dans la rivière, là, je sais pas trop quoi, avec l'armée justement. Pour ceux qui voient de quoi je parle. Contre la nature. Ouais. Il avait dit ça à l'époque. Then I have to shoot you. Ça se répète. Find another monster.
They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. C'était un homme admirable. So at the end, you didn't have the guts to shoot. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Ne le casse pas, hein, il est en or. Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family? C'est beaucoup mieux pour le rapport. L'enfoiré. Your wife was killed in a prison riot last week. So, I'm only joking, dear boy. They were sent back to that Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. Un autre à harceler. Et ben voilà. Terminé. Fini. Rentrez chez vous pour retrouver votre famille. Allez, les amis. C'est parti. On va retrouver Jack et Abigail. Voilà les amis, nous y sommes, on rentre chez nous. Attention, il y a des loups ici. Oula, c'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Ah, reflux. C'est ça, hein, c'est reflux je crois, hein, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Le petit chien de Jack. Et l'oncle. L'oncle. Ça fait longtemps. Ah là là. Lui aussi il a pris un bon petit coup de vieux. Ah là là. Ça fait plaisir de les revoir. Ça c'est bon. Attention les amis. Alors comme je vous ai dit, Jack a bien grandi. Le retour du hors-la-loi. Et Abigail a bien changé aussi. Forcément. Tout le monde a bien changé. Anyone home? Oh, darling. I never thought I'd see this day again. You no good hillbilly piece of shit. I thought you was dead. I thought you was dead, John. Okay. Where you been? You know where I've been, darling.
Ah ouais, c'est génial les retrouvailles. Yeah, I saw him. And Bill? Yeah, I saw him too. And you didn't go back to him. I left that life. Just as you left yours. Tout ça c'est fini, Abigail. How they treat you? I can take care of myself, John. One guard got funny on me one time, but I wasn't so ladylike and he didn't try it again. Or no one else. How's the boy? Well, like you. And like me. Well, he's like a kid growing up without a father. That ain't fair. What is fair? John Maston va se rattraper avec son fils. Ils vont faire des choses ensemble. Some men are born rich enough and dumb enough to enjoy. Voilà la chasse. Voilà la pêche. We tried to change. I mean, isn't that what you're supposed to do? We did change. And it's over now. Jack. Jack, come here, boy. Ah, le vlin, le Jack. Hello, sir. Il a bien grandi. Je crois qu'il doit avoir comme il disait, il doit avoir 14 ans, 15 ans, voire 16 ans. Alors que en 1907, il y avait 12 ans, je crois. Bah en gros, ouais, 4 ans plus tard, ouais, ça fait 13, 14, 15, 16, ouais, c'est ça. 15, 16 ans quoi. Ah, mon oncle préféré. Et aussi de Arthur Morgan. Oula. Consider the fact I ain't put a bullet. Il y a peu vénère là. You were supposed to look after the place. I did. I did my best. Thing is, there was too many of them. I thought you was dead. Il est un peu grincheux. I wasn't drinking. Depuis tout ce temps. Figured out which one to use. Jack, go get your bags packed, boy. We got work to do. We leave in the morning. Allez, on va refaire le ranch parce qu'apparemment. Yes, sir. Where are you going? Tout est dans le désordre là. Faut tout refaire. In the morning we gotta go get ourselves some more cattle. Faut refaire le champ en tout. It's over in Hennigan's stead. Who can sell us some? Now Abigail, I hope you've learned to cook. Yes. Didn't I say? Rather than some prison, they actually kept me incarcerated in a cooking school for young ladies. Voilà, on retourne à la vie normale. Voilà, John Maston a mis sa tenue de pour le ranch. Rancher. Accompagner Jack. Le fiston. How do you do, sir? All right. We should get moving. Alors là, je pense, les amis, comme il disait justement, je sais pas si vous avez remarqué, on doit aller justement, ouais, voilà, au ranch des McFarlane. On va revoir Bonnie parce que justement, à l'époque, dans les débuts, John Maston a dit que si tout est terminé, John Maston va refaire son ranch et puis il va recontacter Bonnie pour aider à refaire son ranch, tout ça. Et justement, ben voilà, on va aller la revoir. Notre Bonnie. I've never been to Hennigan's stead. How do you know these ranchers? Bonnie McFarlane. Miles away. The McFarlanes are good people. We need folks we can trust right now. Met them how? I was sick. And allez, Jack. Sick how? You sure got a lot of questions. Hey, Paul. What? Where were you all that time? Where'd you go?
What'd your mother tell you? She said it was some kind of important government business. That's about right. Some people thought I owed them some favors. Bah, comment te dire, fiston, j'ai traqué tes tontons, tout ça, ton parrain, tout, enfin, je crois que c'était ses oncles, voilà, c'est ça, c'était ses oncles, je crois. J'ai traqué Dutch Van Der Linde, ton oncle, Bill, Javier, voilà quoi. Yeah, I caught up with Bill and Dutch. We had some old business needed settling. Where are they now? They're gone, son. We won't be seeing them again. They were angry at you, weren't they? That's why we had to leave. They was just good men who turned bad. I'll explain it to you one day. And what does that make you? I guess I'm a bad man who tried to be a good father. I don't know. Every man has a right to change. Voilà, merci John. A chance of forgiveness. Ain't that what the good book says? La rédemption, voilà, tout à fait. Well, I imagine that's what it says. Comme ce très cher ami Arthur Morgan. Tout simplement, John Marston, on cherche la rédemption. Oula, tu nous fais quoi, Jack? There's the ranch. Come on, let's see if we can find Mr. McFarlane. Whoa, John Marston. Ah, le père de Bonnie. There's a place I thought I'd never see again. Some of our public servants in Blackwater sent you back on another homicidal errand to protect and save us from Lord only knows what. Thankfully not, sir. I was hoping you might still be able to sell me some cattle. My boy, it would be a pleasure. Bonnie's out to crow now. She'll be more than happy to help you. Take care now, Mr. McFarlane. Good luck. Allez. Yeah. Alors apparemment, Bonnie, elle est quelque part là-bas. Je vais être content de revoir John Marston. En tout cas, la carcasse de John Marston. Je vois un fantôme. C'est ça. On refait la ferme. You've been taught well. Come on, then. C'est reparti. Mettez-vous en position derrière le troupeau. Jack, you stay front. Allez, allez. Jack! Keep them headed towards the river. Allez, vas-y, Jack, fais montrer tes talents. Yeah. I'll give you a hand to get them moving. Slow up. Allez, fais montrer à John Marston tout ce que t'as appris. Good luck, John. Come back and see you sometime. So, what happened? Last I heard, you were headed for some exotic escapade in Mexico. It's a long story. Ah, c'était bien le Mexique. J'ai vu des rebelles, j'ai vu des fous furieux en fait. And Mr. Williamson? Let's just say Bill and I settled our differences. Go. So, is this your boy? Yeah. Say hello to Miss McFarlane, Jack. Hello. Dis bonjour à Miss. Ah, the arrogance of you. He gets a little fur on his lip and he thinks he knows best all of a sudden. Must take after his father. How's your wife? She's well, I think. We haven't had much time to talk yet. Well, I'm glad you're back together again. Tout doucement, les amis, hein, tranquille. We've all been through a lot. Non, 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 l'autre côté, là, l'autre côté. Ok, maintenant, tournez. Non, mais... Par là, toi. Merci, Bonnie. Oh, je vous jure, hein, c'est vache, là.
Allez, allez. Alors là, ça va être chaud parce qu'ils peuvent avoir peur. Parce que là, on va traverser la rivière. Ouais, doucement. Allez, allez. Plus vite. Mais non, mais... Il est sérieux, lui. Ils sont sérieux, ces vaches. 14 sur 15. Ah, là, c'est bon. Il y en a 15 des vaches. Super. C'est magnifique. Alors attends, on doit aller où là? Ok, on doit aller vers la ferme de John en fait, tout simplement. Puis Bonnie nous a quittés. Allez, faut pas tirer là pour qu'ils vont aller plus vite. Bah non, je vais leur faire peur moi. Ah. Oula. Stay back, son. I'll hold them off. Oula. If you don't stop that, you ain't gonna. Oula là, c'est pas bon ça. Vas-y, enfuis-toi, Jack. Ouh, il y a un revolver. C'est la première fois que je vois Jack avec un revolver. En tout cas, depuis le début, quoi. Après, il est grand, hein, forcément. I think that's all of them. Jack, wait there, I'm coming. You là? You all right? You're not hurt, are you? No, I'm fine. I'm fine. I wasn't scared, honest. Sorry you had to see that, son. Those men won't be stealing from anybody else. Jack, head left up the road towards home. Allez, c'est reparti. Come on, easy up now. Ah, ça y est, on voit la maison de John Maston. Le ranch. Let's go. Come on. Let's go. Slow down. Come on. Sérieux, Rockstar, ils sont pas trop serrés là, vos vaches là. Ils sont côte à côte là. Let's go. Alors avant, on mettait des chevaux, si je me rappelle bien. Maintenant, on met des vaches. Nice work, son. We made. Did real good out there. Go on. Ah là là, on est des pros. Easy. Attachez votre cheval à la barre de d'attelage. Did a good job, son. Nice shoot. Thanks, Paul. Make a rancher of you yet. Il y a toujours la même tête, hein, Jack. $100, pas mal. Vêtements de cowboy, parfait.
Revenez entre 11 et 6. Ok, parfait. Ok, ok. Alors, les amis, ce que je vous propose, les autres missions, on les fera dans la prochaine partie. Mais par contre, on a une petite mission étranger, là, voilà. Inconnue. On va aller voir, c'est à Blackwater. Hop. Voilà. C'est cet homme. A scum who can become as angels if you just put down the booze. Okay. We are campaigning in Congress. Le mec qui fait de la pub parle tout seul. T'as John Maston qui le regarde hein, tranquille. Men should be free to live soberly without fear that the perils of drink may overcome them. Do you like what you hear, sir? Not particularly. You'll take away our last freedoms, friend. Freedom to forget about our troubles. You don't have troubles, friend. You have all the joys of heaven here on earth if you just put down the bottle. You don't know me so well, friend. If you did, you'd know how moronic that sounds. I, Abner Forsythe, am not afraid to be called moronic, sir. That I don't doubt. Good day, sir. Oh, it shall be, sir. When we live temperately alongside one another, you are doomed. Ok. Doomed. Vous êtes maudit. Visitez les quartiers malfamés de Blackwater. Allez, c'est juste à côté. Sure you did. You that boy killed Bill Williamson over in Mexico. Okay. No. J'ai l'impression que le mec il me connaît. I ain't. J'ai l'impression que je suis une légende parce que le mec il sait que j'ai tué Bill. Town? That's what you call this? What's wrong with Cess Pit? Bah oui, forcément, t'as John qui aime pas les villes, tout ça. You know, I saw you talking to la civilisation, comme on dit. Who? The temperance movement man. Man trying to put me in a poorhouse. Oh, yeah. Interesting fella. He's Jeremiah Somerset's pawn. The industrialist wants the state to outlaw public consumption of liquor. So he can make a fortune selling personal gin stills. Leave bar owners like me begging in the street. Ah, my heart bleeds for the three of you. I just can't figure out which one I dislike the most. You kill Abner Forsythe. I'd do right by you. Oh, okay, je dois tuer quelqu'un. Kill him. Ok, alors apparemment, d'après le mec, je dois tuer quelqu'un pour avoir une récompense. Prévenez Anner ou descendez-le. Ah, ok, j'ai un choix. Alors, ok, c'est à côté. J'ai pas envie de tuer, moi. Quoique, si je le tue, il se pourrait que je gagne beaucoup d'argent. Wouah, j'ai pas envie de le tuer, moi, je suis... Voilà, je viens de retrouver Abigail et Jack, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Allez. A sin, I tell you. Hey there, Abner. Good to see you, my friend. Decided to join me and recant the evils of the bottle?
Keep wishing, friend. You better move on soon. Fellas around here want you dead. Oh. I guess the path of God will lead me elsewhere in this benighted kingdom. Thank you for sparing the life of a poor servant. Kindly. Je me demande si l'autre il va se venger. Ah. Take care of yourself, Abner. $24. Bon. Vite à Philippe Kamner est parti. Ok. Donc on va le revoir. Ça, ça pue les amis. Je pense qu'on va avoir un duel. Il va être en colère. Je le sens. Il va être vénère. Hey, mister, I want to talk to you. What is it? I heard you tipped off Abner Forsythe after I told you to kill him. Now he'll be spreading his nonsense all over the territory. I ain't here to do your dirty work. Oh, yeah? Well, you can forget about drowning your sorrows anywhere around here. Around here, it's gonna be double the gone rate for you. So be it. Eh ben, je m'en fous. Tant pis, je peux gagner de l'argent en travaillant ou je ne sais quoi, en faisant des primes. Voilà. Et bah du coup les amis... Ah attendez, info mise à jour commerçant. Et bah justement, je vais profiter avec vous, en parlant de commerçant. On va aller voir dans le magasin des armes. Je crois qu'il y a des nouvelles armes. Voilà, tout à fait les amis, tout à fait. $400, $500, c'est... Waouh, c'est chaud. $550, je crois que j'ai pas assez. Ouais, il y a 3 armes. Et là, j'ai 1143. Ok, ok. Par contre, j'ai des podcasters. Ok. Ah, attendez. Attendez, attendez. Il me semble que... On l'avait fait le truc du Mexique. Ouais c'est ça. Parce que là je vois que j'ai des trucs de castor. Ouais bah si on l'avait fait lors de la toute dernière partie. Donc j'ai encore les pots de castor de ça. Alors est-ce que c'est un bug? What the fuck. Bon, après ça me fait de l'argent. Parce que normalement les podcasters tout ça j'aurais dû le donner, vous savez, au truc du au mec là au Mexique, au truc pour le planeur. Et je les ai encore. C'est what the fuck. Voilà. Voilà. Et on va acheter deux plus chers. On va acheter le fusil Carcano. Le sniper, fusil Aviro, équipé d'une lunette puissante et précise. Son chargeur ne contient que quelques balles. Forcément, c'est un sniper. Puissance, il est, franchement, au niveau de la puissance, c'est fou. Portée, juste dingue. 15 ans de tir, bon, c'est pas trop ça. Temps de recharge, enfin, à recharger, bon, ça va. Capacité de munitions, c'est bof aussi. Bon, allez. De toute façon, on va les acheter. Carabine Evans. Carabine à répétition de très grande capacité, sa puissance moyenne est compensée par son système de rechargement rapide. Puissance, bon ça va, portée, bon ça va, pas mal. 15 ans de tir, pas mal, temps à recharger, c'est pas ça du tout. Par contre, capacité de munitions, c'est vraiment au top. C'est plein. Et le troisième, malheureusement j'ai pas assez d'argent, mais on peut voir au niveau des infos sur cette arme. C'est le pistolet Mauser, c'est le pistolet que justement Dutch avait avant de mourir. Alors c'est marrant parce que il y a un truc qui est complètement fou, c'est que de base Dutch Van der Linde n'est pas quelqu'un qui adore les trucs civilisés, tout ça, enfin ouais, les trucs modernes, vous savez, il aime pas les trucs modernes. Et alors que, bah, c'est un pistolet quoi. Le mec a un pistolet, alors que lui aime pas les trucs modernes. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors qu'à l'époque, c'est Dutch Van der Linde, 12 ans avant, enfin 1899, il y avait un revolver normal, quoi.
Et c'est ça qui est ouf. Lui qui aime pas les trucs civilisés, tout ça, les trucs modernes. Le mec qui tient une arme moderne, quoi. C'est ça qui est ouf. Alors, pistolet allemand automatique tire des munitions très puissantes et en quantité. Maintenez la gâchette enfoncée pour tirer en salve rapide. Alors oui, c'est vrai, c'est un pistolet rapide. Très 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 rapide. Vous voyez, un cadence de tir, c'est fou. Puissance, bon, c'est pas vraiment ça, bon, c'est moyen quoi. Portée, bon, c'est bof bof. Temps à recharger, bah ça c'est pas... Forcément c'est un pistolet. Et capacité munition, bah c'est quand même au top quoi. Donc voilà, malheureusement je peux pas l'acheter. On fera peut-être des primes dans la prochaine partie les amis, enfin on verra, on va aller doucement, tranquillou. Du coup les amis, je vous dis à plus tard pour la partie 14. Et bien sûr n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je vous dis à plus tard les amis, ciao ciao.